remercie pour toutes choses et voulons encore, mon Dieu, passer ce moment avec toi, Seigneur. Fais-nous encore tes voix, fais-nous encore, mon Dieu, ta parole, pour pas que notre cœur pêche contre toi, Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne. Merci pour ces moments, merci pour tout ce que tu permets, Seigneur. Ramenons toutes pensées captives à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Nous renversons les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, nous renversons les incompréhensions au nom de Jésus. Seigneur, nous renversons, Père de gloire, mon Dieu, tout ce qui nous célèbre pour te donner ta parole, Père de gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci pour ton esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ton autorité, Seigneur de gloire, mon Dieu. Merci pour l'onction de ta parole. Merci de nous enseigner encore toutes choses, mon Dieu. Seigneur, là où il y a ton esprit, il y a la vie, Père de gloire. Que la vie soit encore communiquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, mon Dieu. Père, tu dis que l'être humain est l'esprit vivifie, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin encore, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur de gloire, mon Dieu. Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne encore de nous. Seigneur, tu as promis que tu seras toujours avec nous, Seigneur. Pour cela, nous devons toujours nous accrocher à toi, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Commencer à comprendre quelle est notre responsabilité. Je veux un peu expliquer un petit rappel par rapport à hier. On a vu un petit peu effectivement le manque de justice qu'il y a dans ce monde, quoi. Mm-hmm. Les inégalités qui sont de plus en plus grandes en fait dans ce monde. Donc tu as donné l'exemple là, en comparant le monde à un petit village. Mm-hmm. Et donc sur 100 habitants, il y aurait 6 personnes qui détiennent 60% de la richesse du monde. Mm-hmm. Et ça, effectivement, c'est très important que. En tant que chrétien, on prenne conscience vraiment de ça et qu'on se positionne aussi par rapport à ça, de façon à pouvoir agir, quoi. Chacun à son niveau, mais en priant, en passant par la prière pour pouvoir savoir ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, quoi, par rapport à ça. Voilà. Quelqu'un d'autre, attends. Merci. Oui. Je prends par exemple, l'idée se donne dans le c'est qu'en tant qu'être humain, pas forcément en tant que chrétien, en tant qu'être humain déjà, de mettre à cœur de vouloir aider les autres si on a. De vouloir aider les opprimés, les pauvres et autres, les vieux opprimés et autres. Voilà. Donc de mettre ça à cœur, vous avez compris ce que je veux dire. De ne pas attendre forcément d'être chrétien. D'abord en tant qu'être humain. On ne doit pas attendre ou c'est Dieu qui n'a pas attendu qu'on fasse tout, tiens. Non, c'est... Je ne sais pas comment expliquer. C'est Dieu qui n'a pas attendu qu'on soit chrétien d'abord. Pour voilà. Déposer en nous voilà. C'est ces pensées-là. On a vu trois aspects. C'est quoi les aspects qu'on a pu voir un peu? Le Dieu créateur. Ok. Le Dieu de la bonté. Le Dieu de la justice. Ok. Par rapport au Dieu créateur, vous avez pris quoi comme verset?
C'est qu'on est portable en long mot d'avion. S'il vous plaît. On va prendre le temps avant de commencer à avancer. Matthieu 25, je crois. Ok. Matthieu 25, Genèse 1, c'était plus global. Parler de nouveaux régimes. Okay. On a dit Matthieu 25 par rapport au talent. On a vu aussi Éphésiens 2, 10. Dieu veut que nous voir dans la créativité. Quelqu'un d'autre? Oui, on a vu aussi que la richesse est un cadeau de Dieu. Mm-hmm. Si Dieu donne, c'est pour aider son prochain. Et que même si on n'a pas, on peut aussi apporter quelque chose par la prière. Très important. La richesse est un cadeau aussi de Dieu. Mm-hmm. Ce n'est pas une grande vertu que Dieu a créée parce qu'on est pauvre, non? On a dit que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, que ça soit riche ou pauvre. La richesse aussi peut venir de Dieu. Les gens qui craignaient Dieu, Dieu les a bénis. Donc il n'y a pas de souci. Je ne parle pas de manger de prospérité, loin de là. Faire comprendre que pour ne pas qu'on tombe dans un autre extrême. Comme quoi Dieu prend seulement plaisir aux pauvres. Il prend plaisir à tout le monde, mais il peut aussi donner financièrement à ses enfants. À ses enfants de savoir comment s'en servir. Et comme elle dit la sœur, c'est que même si on n'a rien, on peut aussi, par la grâce du Seigneur, dans la prière. C'est quoi qu'on vient faire? Sans regarder. Ancienne. On a vu quoi qu'on vient faire? Par rapport à. Pas par rapport à la richesse, par rapport aux prières. Ok, il y a Job. Job, c'est où? 10, 15. Okay. Il dit. Je te laisse regarder, non? On l'a à l'école, non? Tu peux regarder, tu peux dire. Ce qui m'aide, j'ai eu, par la grâce du Seigneur, j'avais donné une Bible. Une personne avait effectivement aussi, fait la révision, mais plus avec sur l'aspect de la pauvreté. C'est ce qui m'a aidé comme outil à faire continuer ce travail en fait. Voilà, c'est un travail qu'un homme avait mis en place, une Bible un peu, il ressortait un peu, il soulignait dans cette version toutes les parties où on développait un peu l'aspect sur la pauvreté. Voilà, on a dit que la pauvreté, il y a comment symboliser la pauvreté dans la Bible? On a dit qu'il y avait les faibles. Après, on a dit qu'il y avait les opprimés, les orphelins, les veuves, les étrangers, les prisonniers, les malades. En gros, on comprend par là que quand dans la Bible, ça nous parle de. Les veuves, les opprimés, les étrangers, c'est les personnes qui sont dans le besoin. Et que le Seigneur nous disait, en tout cas, on a pu le voir dans le Tanakh, on a développé plusieurs passages qui nous faisaient comprendre qu'on devait prendre soin de ces
type de personne. Voilà. On a pu aussi venir en aide à son prochain en tant qu'être humain, que c'est un engagement naturel, que cet engagement-là, ça doit venir du cœur et non seulement une obligation. Et que quand on vient dans le Seigneur, maintenant le Seigneur met en nous ses fardeaux. Parce que quand on peut prendre Romains 5, verset 5, quelqu'un veut le lire. Ça veut dire que c'est Dieu par son amour nous pousse vraiment, en fait, c'est Dieu qui met en nous son amour. L'homme est mauvais. Malgré qu'il ait des petites semences de Dieu parce que Dieu l'a créé. Alors comme on a dit hier, la bonté, la créativité, il est juste, sensible, toute forme d'injustice, mais c'est Dieu par son amour qui répond en nous, par son esprit, pardon, il répond en nous son amour. On ne peut pas dire aimer Dieu, en fait, on ne peut pas dire avoir l'amour si on n'a pas la personne qui est l'amour. Parce que l'amour, c'est une personne, c'est Jésus. Et que toute personne qui veut mettre en place, travailler dans ce domaine, on va se voir à un moment ou l'autre, l'homme est limité. L'homme a, on a vu par rapport à, après le péché, l'homme a eu la loi du talion, en gros, tu me fais le bien, je te fais le bien, tu me fais le mal, je te fais le mal. Même si je veux vouloir te faire le bien, ben, à un moment ou l'autre, la chair va reprendre le dessus. C'est ça, l'homme. Mais nous, parce que nous avons Jésus, ben, cet amour-là, ben, elle se renouvelle automatiquement par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est là qu'il va, et cela va se matérialiser par des actes que nous allons poser pour la gloire du Seigneur. Par des actes que nous allons poser pour que le royaume du Seigneur avance. On a vu hier dans Colossiens 3, 15, si je me trompe, la Bible nous dit que... Quelqu'un peut le lire? Colossiens 3, 15, si je me trompe. Et que la paix de Dieu à laquelle aussi vous êtes appelés pour être un seul corps tienne le principal lieu dans votre cœur et soyez reconnaissants. C'est tout. Je continue, s'il te plaît. Que la parole de Christ habite abondamment en vous en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Rendre grâce par lui à notre Dieu et Père. Ok. Quoi que vous fassiez en parole ou en action, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Les actes, les paroles, c'est bien. Mais là, par rapport à la responsabilité du chrétien, on va plus parler des actions qu'on peut poser. Des actes qu'on peut poser. Alors, les actes que je peux poser pour le Seigneur, ça doit être pour sa gloire. Très important. Dans le domaine, oui, on a cette sensibilité, on a envie de poser des actes. Et ces actes-là, ça doit être pour sa gloire. C'est-à-dire, l'objectif de ce que je vais faire, ça sera en fait pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Elle est là, ma responsabilité sur la terre des hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit de poser des actes, non pas qu'en parole, mais des actes qui se matérialisent. Parce qu'il y en a qui sont pauvres matériellement. Et on va essayer de voir la pauvreté matérielle dans la Bible. On est toujours dans nos 2000 versets. Hein. Je ne sais pas combien on a déjà écrit. La pauvreté matérielle. Prenons Psaume 22. Si quelqu'un veut dire, est-ce que dans la Bible on voit des gens qui étaient pauvres matériellement? On va essayer de voir. Psaume 22, je vais essayer de rechercher.
Quelqu'un peut commencer à lire même en partie du verset 1. Psaume de David, donné au chef des chantres pour le chanteur sur Agélep Achaka. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon rugissement. Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds point, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu habites au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ils ont été délivrés. Ils se sont appuyés sur toi et ils n'ont point été confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent leurs lèvres, secouent la tête. Ils s'abandonnent, disent-ils à Yahweh. Qu'il te délivre et qu'il te sauve puisqu'il prend son bon plaisir en toi. Cependant, c'est toi qui m'as tiré hors du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté lorsque j'étais sur les mamelles de ma mère. J'ai été sous ta garde dès le sein maternel, tu as été mon Dieu dès le ventre de ma mère. Ne t'éloigne point de moi, car la détresse est près de moi, et il n'y a personne qui me secoure. Plusieurs taureaux sont autour de moi, et de puissants taureaux de Basan m'entourent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fondent dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une assemblée de méchants m'entoure. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os un par un. Eux, ils m'examinent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Et toi, Yahweh, ne t'éloigne point. Ma force, hâte-toi de me secourir. Délivre ma vie de l'épée, mon unique du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je déclarerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez Yahweh, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Toute la race d'Israël, redoutez-le. Merci. Car... plus le verset 19 qui m'intéressait. Il partage mes vêtements et tire au sort ma tunique. Ça, c'est quand David le dit, c'est un moment ou l'autre, il était en... il était en fuite par rapport à l'histoire de son fils Jéroboam qui chercha le tuer. Qui en voulait à sa vie. Il était devenu le rebut, il était rejeté, il n'avait plus rien. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, un enfant de Dieu peut devenir pauvre, la pauvreté matérielle, c'est-à-dire qu'on manque de tout. On va prendre un autre passage dans Exode, 22, verset 20, verset 19. Exode 22. Verset 20, 22, si je ne me trompe pas. Celui qui sacrifie à votre Dieu, qu'à Yahweh seul, sera dévoué à l'intention de l'interdit. Qui ne tuera ni n'opprimera point l'étranger, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Vous n'affligerez point la veuve ni l'orphelin. On voit qu'à un moment, le Seigneur, par rapport à ceux qui étaient dans le besoin, va dire de jamais oublier ces personnes. Verset 20, 22. On va prendre un autre passage. Dans Deutéronome 24, verset 17 à 18. Deutéronome 24, 17 à 18, excusez-moi. Tu ne feras pas d'injustice à l'étranger ni à l'orphelin, et tu ne prendras point en gage de vêtements de la veuve. Ok. Deutéronome 24, verset 17 à 18. Je peux relire, s'il te plaît. Tu ne feras pas d'injustice à l'étranger ni à l'orphelin, et tu ne prendras point en gage de vêtements de la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que Yahweh, ton Dieu, t'a racheté de là.
C'est pourquoi je t'ordonne de faire ces choses. Ok. Ça veut dire, là encore, on parle des vêtements de ce que le veuve manquait. C'est-à-dire qu'il y a une pauvreté qui était là et qu'on ne doit pas essayer encore de prendre le peu de ce qu'ils ont. Et tout à l'heure, on va essayer de voir ensemble qu'il y a des personnes qui ont été sensibles aux injustices. Qui se sont dit, il y a tellement d'injustices qu'on ne peut pas se laisser faire. Il y a tellement d'injustices qu'on ne peut pas rester bouche fermée. Le Seigneur dit qu'il y a déjà des pauvres parmi vous et nous, on ne doit pas encore les pousser dans une pauvreté extrême. On verra même, hein, par rapport à l'Église aujourd'hui, où les gens, soi-disant les leaders qui deviennent de plus en plus riches, et les chrétiens deviennent de plus en plus pauvres. Vous dites, mais c'est à cause de nous-mêmes. Oui, pour bénir l'œuvre du Seigneur. Amen. Mais pour bénir, comment on appelle ça, enrichir l'ego d'une personne, non. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur va encore nous dire? Quelqu'un peut prendre Proverbe 19, verset 17. Toujours par rapport à la pauvreté matérielle. 8-17, si je ne me trompe pas. Mais celui qui a pitié du pauvre prête à Yahweh qui lui rendra son bienfait. Ah! Ésaïe 58. 17. Celui qui prête. On n'a même pas dit donner, on a dit prêter. Quand la personne a donné, qui a prêté? Qui va prêter à Dieu déjà? On dit que celui qui prête à celui qui est dans le besoin, donne à Dieu, qui le rendra au centuple. C'est-à-dire, on a des bonnes pères, en fait. Du coup, il faut semer pour que l'œuvre du Seigneur avance. Pour que toi-même, là, dans ta propre vie, tu vois autre chose. Il y a des mystères dans le royaume de Dieu. Moi, je vois que... Mais réfléchis bien, si tu... Bref. Ésaïe 58. Il y a des passages qu'on va prendre. Vous connaissez cette histoire du jeune? C'est quelqu'un qui a commencé, frère. Ésaïe 58. Crie à ton gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un chauffard, et annonce à mon peuple ses iniquités, et à la maison de Jacob ses péchés. Car ils me cherchent tous les jours, ils prennent plaisir à connaître mes lois, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, et qui n'aurait pas abandonné les ordonnances de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils prennent plaisir à s'approcher de Dieu, et puis ils disent, pourquoi jeûnons-nous? Tu ne le vois pas? Pourquoi affligeons-nous nos âmes? Tu ne le sais pas? Voici, le jour de votre jeûne, vous trouvez votre plaisir et vous oppressez tous vos travailleurs. Voici, vous jeûnez pour faire des querelles et vous discutez et pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit exaucée d'en haut. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, que l'homme afflige son âme un jour? Est-ce en courbant sa tête comme le jonc et en étendant le sac et la cendre? Appelleras-tu un jeûne et un jour agréable à Yahweh? N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que j'ai choisi? Que tu détaches les liens de la méchanceté, que tu délies les cordages du joug, que tu laisses aller libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim et que tu fasses venir dans ta maison des affligés errants? Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas de ta propre chair. Ok. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de vêtements, qui manque des choses, et le prophète Ésaïe va essayer de réprimander les enfants d'Israël. Vous voulez, à un moment ou l'autre, les enfants d'Israël voulaient faire les spirituels, ils oublient aussi l'essentiel. Alléluia. Amen. On peut faire, toucher Dieu, mais il y a des choses qu'on oublie de mettre en place autour de nous. Pratique.
des gens qui sont dans le besoin, tu le vois. Si le prophète Ésaïe se permet de parler ainsi, c'est parce que les enfants d'Israël, ils avaient, mais ils ne faisaient pas. Parce que les enfants d'Israël, ils possédaient, mais ils ne donnaient plus. Et hier, on a vu toutes les lois que Dieu avait mis en place hier. Toutes les lois que Dieu avait données, les lois sociales, on appelle ça. Comment vivre dans la communauté juive. Pour pas qu'il y ait des indigents parmi eux. Vous vous rappelez hier, qu'est-ce qu'on a vu comme passage? Mais un moment ou l'autre, il y en a qui coupent. Il fallait toujours qu'il y ait un prophète qui se lève pour essayer de remettre le cadre. Parce que les enfants d'Israël oubliaient très vite leur responsabilité. Ils disaient, tant que moi j'ai, cela me suffit. Mais n'oublie pas que si Dieu te donne, c'est pour celui qui est dans le besoin. Parce que pendant qu'il est en train de crier quelque part, Dieu, je le crois, il met dans nos cœurs quelque chose pour que on puisse aller donner à ceux qui sont dans le besoin. Simplement et humblement. Alléluia. Amen. Telle est notre mission. On va continuer. Matthieu 25. La pauvreté matérielle, comment la Bible en parle. 31, si quelqu'un veut lire. 45, je me trompe. Or, quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors qu'il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les autres. 25. Merci. 31 à 46. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi répondant leur dira, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné et vous ne m'avez pas donné à manger. C'est vrai, finir. Okay. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'ai été nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai été malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi en disant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru? Alors il leur répondra en disant, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire que être engagé, soutenir notre prochain, ce n'est pas un péché. Amen. Il le dit clairement, le Seigneur. Chaque fois que vous avez fait faire la... Mais on n'a pas dit un pasteur ou un leader. Ou... C'est tellement facile de faire du bien à des responsables. Je me rappelle un jour, j'étais dans un pays en mission. C'était chaque jour, il y avait moi qu'on on donnait des cadeaux. Tout le temps, je me disais, bizarre. Si, mais les frères, c'est quoi? Ah, vous me donnez à moi. Or, qu'il y en a qui sont dans le besoin, dans l'assemblée, jamais vous donnez. Là, ton voisin, ça fait péché, ça n'est pas faux. C'est-à-dire, on donne avec des intérêts derrière. Or, que Dieu dit de donner. Sans vouloir rien recevoir derrière. Parce que quand tu donnes, c'est pour le ciel. Amen.
tu prépares des... Oh, pour laisser. Mais ça veut dire que tu es en train de préparer là-haut, pour laisser. Parce que tu as même tout donné. Mais le problème de l'un des responsables, c'est on calcule derrière. Et comme Dieu marche par les... On essaie de marcher par l'esprit, à un moment Dieu va te dire ne prends plus. Parce qu'on veut t'acheter. Là, ton voisin, on connaît. Au-delà de ceux qui sont dans le besoin. Amen. Alléluia. Amen. Je peux parler ou pas? Amen. Non, famille. Aujourd'hui, je vais parler fort. Amen. Luc 14. On se rend compte, plus on avance, 12 à 14, si je ne me trompe pas, plus on avance, plus on se rend compte que ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est biblique. Il dit aussi à celui qui l'avait convié, lorsque tu fais 14 à 14. 12 à 14. 14, 12 à 14, excusez-moi. Verset 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait convié, lorsque tu fais un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents. Ni tes pasteurs. Ne mettez dedans ni les responsables. N'en mets dedans ni les gens qui sont élevés en dignité. Ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne te convient à leur tour et qu'on ne te rende d'appareil. Mais lorsque tu donneras un festin, convie les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles, et tu seras béni de ceux qui n'ont pas de quoi te rendre. Alléluia! Amen. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Oh, amen. Excusez-moi, j'ai dit. Mais même pas un titan, je vois. Non! Tu nerfs ceux qui te fais qui ne vont pas te donner derrière! Ah, on est tous tombés dans le piège à un moment. Tu donnes, je fais des calculs dans la tête. Je donne un tel, quand je vais manquer, j'irai. C'est pas de Dieu ça. Alléluia. Amen. On donne parce que on a envie simplement de répondre à l'appel du Seigneur. On donne parce que l'on sait que c'est une recommandation que Dieu demande à un chrétien. On donne parce qu'on veut poser des actes pour son royaume. On donne parce qu'on a cette sensibilité de savoir que la personne que je veux donner, il ne manquera pas de bénir Dieu un jour. Amen. 1 Jean 3. On avait lu le 3. 14 si je ne me trompe pas. 1 Jean 3 pour finir. 1 Jean 3, 17 à 18, pardon. On avait 17. Bon, on va prendre 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voilà son frère dans la nécessité, il lui ferme ses entrailles, comment la charité de Dieu demeure-t-elle en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Attends, frère, il y en a qui cherchent encore. On doit avoir l'évangile mental. Hein. Tac, tac, tac. On commence à chercher comme si c'était un autre livre de philosophe. Non, c'est la Bible. C'est bon pour tout le monde. Hein. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans la nécessité, il lui ferme ses entrailles, comment la charité de Dieu demeure-t-elle en lui? En gros, la Bible, on va s'arrêter. C'est comme si la Bible dit, si Dieu t'a béni comme il avait béni Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens-là, comment tu peux fermer les yeux quand tu vois des gens qui sont réellement dans le besoin? Quand tu vois les injustices? Je peux continuer, s'il te plaît, pardon. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais par des œuvres et en vérité. Amen. Amen. Quel petit enfant, les filles de Dieu? Moi, j'ai pas répondu à la question. Qui se sent être petit enfant de Jésus? Moi. Dites-nous en collectivité. Chacun répond, lui ou voilà. Qu'on fait? Je répète encore ma question. Qui est petit enfant de Jésus? C'est moi. Tu peux continuer. Comme il y a des petits enfants de Jésus, on doit continuer pour la suite.
car c'est par là que nous connaissons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons ainsi nos cœurs devant lui. Et si notre cœur nous condamne, certes Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mais bien aimé, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. Amen. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous aimions, et que nous, nous aimions les uns les autres, selon le commandement qui nous a été donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Jésus-Christ, et Jésus-Christ demeure en lui. Et par là nous connaissons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Ça veut dire que Dieu a mis en nous son Esprit, qui nous aide à pratiquer la justice de Dieu, qui nous aide à poser les actes qui touchent le cœur de Dieu, qui nous aide à répondre à l'appel de Matthieu 25, de ceux qui sont réellement dans le besoin. Non pas ceux qui vont être dans la paresse. Parce que, aussi par rapport à la pauvreté, la Bible le dit dans le proverbe là-bas, il y en a qui sont dans la paresse, que c'est là qu'ils tombent dans la pauvreté. Amen. Amen. C'est pour cela que le prophète éveillé, à un moment, va dire, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. C'est vrai qu'il y en a qui abusent. Toujours, enfin, je me rappelle, je suis dans une assemblée au Congo, une grande assemblée, et il n'y avait pas d'œuvre sociale dans cette assemblée. J'ai parlé avec les leaders. Le leader, ça serait bien de mettre en place le suivi dans les hôpitaux, des naissances, des pensées dans nos pays, dans certains pays. Pour la naissance, il n'y a pas d'argent. Ben les enfants, les femmes vont accoucher dans des conditions très ignobles, ou même des fois, ils n'ont même pas accès à des champs. Ça ne serait pas bien dans votre assemblée de 5000 personnes de mettre en place un pôle social pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ou même créer une école. Ou impliquer les valeurs chrétiennes dans cette école. Au lieu de laisser à l'école publique de faire les choses, d'être 5000. 5000, on met seulement $1, on peut faire quelque chose. Oh, mais tu sais, Loufiane, il ne faut pas trop assister les gens. Voilà la réponse. Tu sais, il ne faut pas trop assister les gens. Puis l'évangile social, lui, mais Dieu, c'est d'abord les cœurs. C'est vrai. Mais il y en a matériellement qui n'ont pas, on fait comment? Alléluia. Amen. Comment réagir face à des gens qui profitent vraiment? Si nous avons le Saint-Esprit par la grâce du Seigneur, Dieu nous donnera la paix de savoir si lui qui est dans le besoin ou celui qui est en train de mentir. Et comme l'amour subsonne point le mal, quand on ressent, on sent des choses, on le fait. Si la personne veut nous mentir, Dieu nous aidera. Parce qu'on travaille dans ce domaine. Plus vous allez travailler dans un domaine, plus Dieu va vous équiper pour vous donner des orientations. Oui, il y en a qui mentent, oui, effectivement. Mais je ne dois pas commencer. Je pose des actes pour Dieu parce que je suis sincère avec Dieu. Dieu va m'aider aussi à m'aiguiller. Le tout, c'est d'être sincère avec Dieu. Si je n'entre pas avec Dieu, pourquoi je le fais? Et Dieu va m'aiguiller. Dieu va nous dire comment avancer. Parce qu'effectivement, il y en a aussi qui peuvent se... On va prendre. Proverbe. On va prendre dans... Qui nous dit les personnes qui font semblant de... d'être pauvres. Oh, j'ai plus ce passage. Passage dans Proverbe qui nous dit. Je vais chercher tout à l'heure, ça va revenir. En fait, qui nous fait comprendre qu'il y en a parce qu'ils ne travaillent pas. C'est pour cela qu'ils tombent aussi dans la pauvreté et Dieu n'aime pas les feignants. Hier, on a dit que Dieu, c'est un Dieu qui est créatif. Notre Dieu, ça bouge. Celui qui a un Jésus ne peut pas dire, moi je ne peux pas travailler, or que tu as les papiers, or que
T'es vigueux, t'as de la force, mais tu veux pas travailler. Alors ça, c'est pas bon non plus. Effectivement, je vais nous retrouver de passage qui dit qu'il ne faut pas abuser dans ce sens. Mais il y en a, je vous assure, qui sont réellement dans le besoin. Et on en a de plus en plus. Et notre responsabilité, soit c'est de crier des sonnettes d'alarme par rapport à des personnes qui ont des capacités, qui ont soi-disant Dieu, premièrement, qui ne font pas leur part. Pas déjà, je ne vais pas les dire aux païens qui ne font pas leur travail. D'abord, on dit le jugement commencera où ? Dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? On va voir des exemples des personnes. Hier, on a dit des personnes qui sont engagées dans ce domaine. Qui ont dit que la pauvreté, c'est notre responsabilité en tant que chrétien. Et qu'on doit s'impliquer. On ne doit pas laisser les gens vivre dans des conditions inhumaines. Ok, je peux le dire, Proverbe, merci. Je vais voir. Tel que le riche, il n'a rien du tout. Tel que le pauvre, il y a de grandes choses. Non, c'est pas ça. Proverbe 10. Tu peux lire ? Quelqu'un peut lire ? 10-4. Oui, c'est ça, la main paresseuse. Oui, tu peux lire, pardon ? La main paresseuse fait devenir pauvre et la main paresseuse des gens enrichis de chez nous. On peut relire le 10, Proverbe 10, 4. C'était la réponse pour ma soeur. Oui, effectivement, il y en a qui abusent. Et par rapport à cela, Dieu demande de ne pas tomber dans leur piège. 22, 16 aussi. Ou 1 Thessaloniciens 4, 11. Quelqu'un peut lire ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il faut qu'on parle au moment de pauvreté. Détachez des livres saisiblement, de faire vos propres appels et de travailler de vos propres mains. Ah ! Ainsi que nous vous l'avons ordonné. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Et que vous n'ayez besoin de rien. Ok. Ça répond ? Ça veut dire qu'un chrétien doit travailler aussi. Et l'apôtre Paul va dire à tous aux Thessaloniques, parce qu'à un moment ou l'autre, ils ont dit que bientôt c'est la fin de temps, parce qu'en Thessalonique, voilà, il y a la fin de temps, on ne va plus travailler, on va faire une petite grotte, on va rester entre nous, on va attendre que Jésus revienne. Déjà, ton voisin, on n'est pas les dépliqués pour ça. 14. Vous voyez, à un moment ou l'autre, l'apôtre Paul va mettre le bâton en disant « Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. » On ne doit pas encourager le mal. Je ne parle pas de ce cas-là. Je pense encore, il y a des Thessaloniciens. 3. Je ne compte pas. 3, 10, si quelqu'un a trouvé. Car lorsque nous étions avec vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qu'est-ce que ça nous tient ? Ça répond à ta question. C'est bon, alors là on est calé. Moi je ne parle pas de ces gens. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent que profiter. Non, on ne parle pas de ça. On a parlé de ceux qui souffrent réellement. Il y en a qui souffrent réellement. Et je veux dire, de nous-mêmes, vous demander à manger, des fois, ce n'est pas facile par rapport à leur réalité. Se retrouver des fois dans nos épiceries, même pour venir prendre à manger, ce n'est pas toujours facile. Cela même, on voit plus des païens qui viennent nous prendre à manger que les frères et sœurs. Je ne trouve pas ça par rapport mal. Si c'est comme ça, on va essayer de changer de stratégie. On va commencer à faire livraison de colis chez les frères et sœurs. Dieu va nous aider. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours facile le regard aussi des frères et des sœurs des fois. Et sur cela, on doit essayer de s'organiser dans ce sens en disant, oui Seigneur, on a à manger. Oui Seigneur, si peut-être les frères et sœurs ont honte ou quoi, parce que voilà, il y a tellement de préjugés aussi parmi nous, qu'il y en a qui sont vraiment dans la souffrance, on les regarde aussi des fois des manières. Frère, ce qui arrive au lot, ça peut aussi t'arriver.
cela que Matthieu 12, 7, 12 nous dit que c'est ce que tu n'aimerais pas contre eux. C'est bien ça, non? Voilà. Quelqu'un peut le lire. Matthieu 7, 12, si je vous demande. Merci. Quelqu'un peut lire. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà. On doit faire attention dans notre jugement. Moi, des fois, ça me désole quand même. Je dis, Seigneur, on met en place des structures. On voit plus des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent prendre à manger, que les frères et sœurs. Qui aussi, qui sont des fois dans les difficultés. Mais peut-être je me remets en question dans notre façon de gérer aussi. Alléluia. Parce qu'il y a des réels besoins. Et merci Seigneur, le Seigneur nous ouvre encore des portes. Pas plus tard, on vient encore de finir un contrat avec une société qui carrément, cette société va nous chercher des denrées, qui va les ramener peut-être pour 100 personnes par samedi. On n'a même plus besoin de se déplacer, on n'a même plus besoin d'avoir des camions. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu donnes plus ça? Merci, c'est pour évangéliser, ok? Mais aussi par rapport aux frères et aux sœurs. Merci. Oui, merci Seigneur, le reste du cœur est fermé. Là, c'est la trêve hivernale. Là, ils sont fermés maintenant. Là, c'est... On va partir. Ça, je demande, Seigneur, pardonne-nous si des fois dans notre façon de faire, on a eu des manquements. Mais c'est de notre responsabilité de ne pas laisser les pauvres. Et il y en a qui l'ont fait. Et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Tellement de choses à vous partager, mais que Dieu nous aide. Moi, j'ai envie de parler aujourd'hui du prophète Jérémie, un homme que j'admire dans la Bible. Jérémie, on connaît un peu son histoire. Donc, on va se baser. Je peux passer, c'est bon? Je vais rentrer. On peut faire un contrôle demain? Ça va être gravé dans votre cœur. Alléluia. Là, on faisait, mais c'était la religion. Allez, Jérémie. 22. Verset 13 à 17. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Voilà la grâce, alléluia. Amen. La grâce d'être est partie, quoi. On a la grâce, merci. C'est comme ça la formation. Il a dit que depuis Jean-Baptiste, accélération. Le Dieu n'est pas fait pour les gens qui dorment. Tu peux aller. Ok, tu peux lire. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres hautes sans droiture, qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner le salaire de son travail. Qui dit, je me bâtirai une grande maison et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres. Elle est lambrisée de cèdre et peinte de vermillon. Régneras-tu parce que tu t'enfermes dans du cèdre? Ton père n'a-t-il pas mangé et bu? Quand il a fait jugement et justice, alors il a prospéré. Il jugeait à cause du pauvre et de l'indigent. Alors il a prospéré. Ah! N'est-ce pas là me connaître, dit Yahweh? Mais tes yeux et ton cœur ne sont adonnés qu'à ton gain déshonnête, qu'à répandre le sang innocent, qu'à faire du tort et qu'à opprimer. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère et hélas, ma sœur ». On ne pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur et hélas, sa majesté ». Il sera enterré et l'ensevelissement d'Anan, et est entraîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Amen. Amen. On va essayer de décortiquer un peu ça. Là, je prends un exemple d'un homme qui s'appelait Jérémie, qu'on connaît, un prophète, que Dieu avait appelé, que Dieu avait oint, que Dieu avait mandaté pour un travail.
pardon. Que Dieu avait mandaté, que Dieu avait appelé. Quel était le travail de Jérémie? On a beaucoup lu déjà cette histoire. Le prophète Jérémie, c'était quoi son travail? De sonner le chauffeur. La sa mission dans Jérémie 1. Lecteur de. Un réformateur. Il était véridique. Il mettait le cadre. Il renversait. Dieu l'avait réellement appelé. Pendant tout, l'église était paganisée. L'église, excusez-moi. Pendant temps où les enfants d'Israël se paganisaient. Pendant temps où on ne respectait plus Dieu. Le Dieu n'était plus à sa place dans le cœur des enfants d'Israël. Dieu m'appelait Jérémie. Jérémie, c'était un sacrificateur de la famille des Anathons. Ça veut dire qu'il était de la lignée des sacrificateurs. Et à l'époque, l'onction était donnée à trois types de personnes. C'est qui? Les rois. Les prophètes. Les prophètes. Les rois. Et les sacrificateurs. C'est-à-dire que Jérémie était doté de cette onction pour parler. Il va parler d'abord par rapport à l'ordre de culte. Parce que les enfants d'Israël avaient délaissé le culte pour Yahweh. Leur cœur commençait à se détourner à des faux dieux. Alléluia. Amen. Et Jérémie va parler, Jérémie va redresser. Jérémie va, dans Jérémie 7, il va dire, réformez vos voies. Revenez à Dieu. Il va ramener une ré, il va vouloir que le cœur des enfants d'Israël soit restauré pour Dieu. Ça, c'était le côté spirituel. Il a restauré le cadre côté spirituel. Que les enfants d'Israël reapprennent à honorer Dieu. Alléluia. Amen. Il a fait un beau travail. Et de 1 jusqu'à 20, on parle un peu de ses péripéties, de tout ce qu'il a vécu. Ça n'a pas été facile de reformer les choses. On va prendre un peu des passages dans Jérémie. Si quelqu'un veut lire déjà Jérémie 1, la fin du verset, par rapport à son appel, qu'est-ce qu'on va lui dire d'avance déjà? Oui, du verset. Le dernier. Et ils combattront contre toi, mais ils ne seront pas plus forts que toi, car je suis avec toi, dit Yahweh, pour te délivrer. Mmh. Ils te feront la guerre, mais... Jérémie 7, verset 9. Si quelqu'un veut lire. Jérémie 7, 9. Ne dérobez-vous pas, ne tuez-vous pas, ne commettez-vous pas d'adultère, ne commettez-vous pas adultère, ne jurez-vous pas faussement, n'offrez-vous pas de l'encens à Baal. Mm-hmm. N'allez-vous pas après les dieux étrangers que vous ne connaissez point. Puis vous venez et vous vous présentez devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés pour faire toutes ces abominations. Mm-hmm. Jérémie 7, 9, verset 23. On a reçu la parole que j'ai donnée comme l'Église disant, écoutez ma voix, je serai votre Dieu. Vous avez vu que l'homme, il redresse côté que le comment on appelle ça, tout ce qui est culte. Mais à un moment ou l'autre, frères et sœurs, il s'est rendu compte que les enfants, il y avait aussi un autre problème. Par rapport aux enfants d'Israël, il y avait un problème par rapport au culte. Mais par rapport au roi aussi, il y avait un problème. Le roi Joachim. Il y a eu un problème dans son fonctionnement. Un homme qui était soi-disant roi. Un roi avait aussi des devoirs, frères et sœurs. Regardons les devoirs du roi. On parle de Joachim, non? Regardons dans 2 Samuel, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que David va dire? 2 Samuel 8. Par rapport aux devoirs du roi. 2 Samuel 8, verset 15. Ainsi, David régna sur tout Israël. Mm-hmm. Il faisait droit et justice à tout son peuple. On peut souligner, il faisait quoi? Droit et justice à tout le peuple. Quand on est roi, on a des devoirs. Notre devoir, c'était de défendre les faibles. Alléluia. Amen. Mais on va voir qu'est-ce que le roi Joachim, il a fait. Est-ce qu'il a défendu les faibles
où il a encore écrasé les faibles. Il était juste. Hein? Il était juste. Joachim? Non, pas Joachim. David. Ah, David, il a été juste. Il a montré qu'en tant que roi, quelle était notre mission. On va prendre un autre passage dans 1 Roi 10, verset 9, qui nous fait voir la mission d'un roi. Ah! Accordé la faveur de t'établir sur Israël, car Yahweh a élevé Israël à toujours, et t'a établi roi pour faire droit et juste. Amen. Vous pouvez souligner, hein? Un roi, 10, verset, et l'autre fait 2 Samuel 8. J'essaie de vous expliquer d'abord le contexte avant de rentrer en détail. La mission d'un roi était de préserver, être droit et juste. On a vu hier, celui qui est juste, comme Dieu c'est notre créateur, on doit agir en justice. Pour agir en justice, on a dit hier que celui qui est juste, c'est quoi? C'est celui qui est sensible aux injustices. Alléluia. Amen. Jérémie est en train de recadrer côté spirituel, côté l'ordre du culte, mais il se rend compte que celui qui doit représenter Dieu sur la terre pendant aux enfants d'Israël, mais il n'agit pas justement. Or que la mission du roi, c'est de préserver les pauvres. Être juste. Être juste, c'est-à-dire peu importe, riche ou pauvre, à la même enseigne. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va faire le roi au temps de comment il appelle, Jérémie. Un roi, pour voir le contexte, hein, dans 2 Rois 22, si je ne me trompe pas. Prenons la Bible dans 2 Rois 22. Toujours bien de connaître le contexte dans lequel Jérémie il a parlé. 2 Rois 22, si quelqu'un veut lire. 2 Rois 23, à partir du verset 33 à 35. Si quelqu'un veut lire, le contexte, comprendre un peu le contexte avant de rentrer en profondeur. 33, vers 33-35. 2 Rois 23, verset 33-35. Et Pharaon Nécho l'emmena à Ribla, dans le pays de Hamath, afin qu'il ne règne plus à Jérusalem. Et il imposa sur le pays un tribut de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Puis Pharaon Nécho établit roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père. Et il changea son nom en celui de Joachim. Ah, c'est bien de même histoire qu'on parle ou pas? Vous comprenez un peu ou pas? Là, Pharaon, les couilles, c'était des puissants en son temps. Et comme ils étaient puissants, à un moment ou l'autre, ils ont voulu contrôler le monde, la terre. Et en contrôlant la terre, ils vont commencer à imposer des impôts aux enfants d'Israël. Alléluia. Ils vont imposer des lourdes charges aux enfants d'Israël. Mais manque de peau, le roi Joachim, au-delà même de ces taxes qui sont demandées aux enfants d'Israël, aux impôts qui sont demandés aux enfants d'Israël, ils vont encore rajouter une couche. Et cette couche, on le voit dans Jérémie 22. Une petite parenthèse que j'ouvre. Il y a des assemblées. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu ou serviteurs du Seigneur, parce qu'à l'époque, il y avait 3 personnes qui avaient l'option. Alléluia. Amen. Dans ce roi-là. Et qui savent déjà que c'est dur la France? On a vu hier par rapport au financement. On a dit sur 12 millions d'habitants de France que nous sommes, il y a près de 1,8 millions qui souffrent, qui n'ont même pas le SMIC. Mais maintenant, il y en a qui, soi-disant, qui connaissent Dieu, qui se permettent, on commence d'abord par la dîme. 10%, sinon tu ne sors pas de la pente. 900 euros, c'est pas grave, 10%, un côté.
C'est-à-dire, au lieu qu'il s'arrête au moins si on s'arrêtait seulement à ça, on peut comprendre. On peut comprendre dans le sens où c'est Seigneur, aide-les. Mais il s'arrête pas là. On m'encourage. Il n'y a même plus le mot. Offrande du taureau, offrande de prophète, offrande de action de grâce, offrande du travail que tu as trouvé. Nous on parle des choses comme ça parce que vous ne le vivez pas. On l'avait vécu. Maintenant on a des familles qui le vivent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait mal. Ça veut dire que les gens ils vont à 900 euros pour atteindre le fin de mois, c'est chaud. Et on nous parle encore d'un nouveau fort de Jim. Pour les allocations familiales. Même les affaiblis coûtaient 400 euros, RFA, donc on mange aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux Joachim en fait. Le jeu Joachim, il n'avait pas été choisi par le Seigneur. Oui, déjà. Mais déjà, eux-mêmes aussi ne sont pas choisis par le Seigneur, parce que celui qui est choisi par Dieu ne peut pas poser des actes comme ça. Celui qui est choisi par Dieu, voyant les gens en train de galérer, il ne peut pas aller encore les prendre. Oh, Dieu va te bénir, camarade. Non, pourquoi tu ne te bénis pas toi? Tu te galères, que Dieu me bénisse moi en me dépouillant. Ça, c'est pas Dieu, ça. Alléluia. Amen. Les gens, des fois, tu vois les souffrances des familles, tu dis, c'est pas possible. Mais faut arrêter, frères et sœurs, faut arrêter. Pasteur, leader, responsable, que Dieu nous aide. On a encore nos familles qui sont encore sous ces griffes-là, ça nous fait mal. Surtout au pays, tu essaies de les soutenir avec Mr. Union, et encore, tu vois, ils vont encore diviser. Bénir le pasteur. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une assemblée où il y a ma famille. Tu vois, le pasteur, ça commence pas. On va prier pour toi pour 1000 dollars. Alors, quand tout le monde commence à 1000 dollars, les regards par terre, où faut que tu viennes une prière spéciale. Et quand on arrive à 100 dollars, on ne prie plus pour les gens. Vous voyez un peu ça? Tiens ton frère Joachim. Ils ne sont pas appelés par Dieu. Alors, il faut les comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça dépouille. Moi, un jour, par la grâce du Seigneur, non, Seigneur, je t'aime. Parce que quand il y a ça, il y a des gens, il faut les gérer, oui. Non, tu m'as pas compris. Quand il y a ça, il faut les gérer. Ils vont recadrer côté spirituel. Ils vont se recadrer côté social au nom de Jésus. D'accord, tout ce qui est lors du culte, c'est bon. Maintenant, côté social, on va venir un peu. Merci Seigneur pour la vision. C'est-à-dire que tu veux nous voir là-bas, là, on va cogner. Tu dis, bon, on va aller faire du social. Si on voit si tu commences à faire des entreprises, on va cogner au nom de Jésus. Jérémie l'a dit, mais attendez, je suis en train de recadrer là, le peuple, mais ceux qui sont leaders, ils font pire. Ils font pire. Et qu'est-ce que Jérémie va dire? On va reprendre. Jérémie 12. 22, pardon. Après, je vais expliquer quelque chose. Verset 14. Mon frère, tu m'aides. Il dit, je veux bâtir une grande maison et des chambres spacieuses. C'est qui dit ça? Joachim, il dit quoi, je? Je? Avec votre argent, il est en train de acheter des châteaux, des piscines, des voitures, même toi-même, tu ne sais même pas si tu l'auras un jour dans ta vie, mais il dit je! Déjà, à cause de lui, les enfants de Dieu sont dépouillés par un païen, par un écho. Et encore lui, au lieu d'avoir pitié un peu, il rajoute encore une couche. Je me bâtirai. La folie de grandeur. C'est même pas son argent, il n'a même pas travaillé pour ça. On va le voir tout à l'heure. Il n'a pas travaillé pour ça. Si
il avait travaillé, on aurait compris. Non, moi, Dieu m'a appelé. Non, je sais pas, non, non excusez-moi. Hein. Aujourd'hui, là, j'avais tout dit. Amen. Non, c'est notre responsabilité. Amen. Je me bâtirai. Je... Si tu te bâtis toi-même avec ton argent, on peut comprendre. Mais la Bible va me dire quoi, on continue. Et des chambres spacieuses et qui s'y fait percer des fenêtres, elle est lambrisée de cèdre et peinte de vermillon. Régneras-tu parce que tu t'enfermes dans du cèdre? Ton père n'a-t-il pas mangé et bu? Quand il a fait jugement et justice, alors il a prospéré. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, alors il a prospéré. Ah! Son père Joas, Joas, pardon, il a fait ce qui était bon devant Dieu. Amen. Il a jugé le pauvre. Et la Bible nous dit que Dieu l'a béni. Il n'a manqué de rien. Mais lui, Joachim, si vous lisez le contexte au contexte de 21-11, on va voir qu'il a fait travailler les pauvres sans les payer. Vas-y, vous pouvez le lire. On a peut-être plus le temps. Il a dit qu'il a fait travailler les pauvres sans les payer. Au nom de je suis responsable. C'est là qu'il y a des frères et sœurs qui vont travailler gratuitement pour leur responsable parce qu'il est hors de Dieu et il ne peut pas me payer. Ça, c'est du vol. C'est de l'escroquerie pure et dure. Même tu peux porter plainte contre lui pour aller en prison. L'exploitation, esclavage, esclavage. Au nom de Dieu. Comme il y en a qui ont fait des esclaves au nom soi-disant de Dieu, et ça continue aujourd'hui. Un jour, j'étais en Belgique en mission par la grâce de Dieu. J'ai appris qu'il y avait un escroc qui dépouillait les gens. Et je me suis dit avec les frères et sœurs, on va aller. Parce qu'on avait vu sur une vidéo de TF1 ou France 2, de tout ce qu'ils faisaient. Et comme on a, oh frère, ça, en le faisant, c'est pas que ça, parce qu'on sait que nos familles sont encore dedans. On ne peut pas les vivre. Jérémie s'est dit, mais j'ai encore ma famille qui sont malheureusement pris en flambeau. Je ne peux pas le taire. J'ai repéré sur internet où il était, il faisait un séminaire. Bam, je débarque. Je prends l'équipe. À l'époque encore, on avait donné les CD. Je prends une équipe. On le prépare 2000 DVD dans le sac. Je dis, lui, on va le voir. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. On prend une voiture, on part en Belgique. Manque de peau, comme ça tombe, lui mêler ses pattes dedans, pam, 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 le séminaire il est fini, on arrive en retard. D'accord, il y a Jésus là. Amen. J'ai dit, Seigneur, amen. Là où il est, là, son pied, mon pied. Amen. Je ne rentre pas chez moi sans avoir un verre pur aujourd'hui. Et Dieu permet, on arrive, on se renseigne, j'appelle, allô, oui, bonjour. Homme de Dieu, homme du temps, homme du moment, j'aimerais bien te rencontrer. Ah, elle était bien. Avec les gens, il faut les mettre bien. Voilà. Avec les Grecs, on est Grecs pour gagner les Grecs. Amen. Avec les faux, il faut être faux pour les gagner. Mais après, on les emmène quelque part. Ok, par la grâce du Seigneur, on s'est rencontrés. Alors, c'est ça que ça me fait rire, parce que je suis en train de penser à ce qu'on est en train de lire. Il va nous rencontrer, demandez-moi où. Non, demandez-moi où. Comme le séminaire était fini, il s'est pris l'hôtel Hilton en Belgique. Wow. Jésus, il est né. Si encore c'était son argent, je peux comprendre. Si c'était son argent, je peux comprendre. Ça le regarde. Mais si ce n'est pas son argent, c'est pas normal. C'est l'argent du Seigneur, quand même. Si c'est son argent, il travaille, il est entrepreneur, on peut comprendre. Sachant cette activité, je n'avais pas compris. Hilton. Hilton. C'est moi-même. On travaille, on n'a jamais même mis les pieds là-bas. Et pas grave, c'est pas un souci. Homme de Dieu. Ah, on est des jeunes, on vient de Paris. Ah, ouais, on est parlé de vous. Hein. Assois-toi, on est là, on est ensemble, on va parler. Et. Il commence à me développer la théorie. Je dis, ah vraiment, on a vu vos vidéos. Ah oui, moi,
Franchement, je fais le tour du monde, tout. Après, il a décortiqué ce qu'il avait à dire. Et à un moment ou l'autre, on a maintenant dit, on va prendre la parole. C'est bien posé, il a été avec tous les collaborateurs de Bruxelles. Et on a dit, on va prendre la Bible alors. On a pris la Bible, on a dit que l'Église est malade, on est resté sur cette thématique-là. Il n'était pas d'accord. Pourquoi, vous savez, c'était pourquoi son séminaire? C'était parce qu'il avait pris un pasteur qui venait des États-Unis pour venir prouver que la dîme était d'actualité. Alors je me suis dit, moi et toi, aujourd'hui, on va parler. Parce que dépouiller les enfants de Dieu, chacun sa lutte. Mais Dieu, il faut faire des bonnes luttes pour Jésus. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une personne. J'ai dit, je ne vais pas aller tout seul. Je vais prendre une équipe des frères fous de Jésus. Amen. Merci Seigneur, et même des sœurs folles de Jésus. Amen. Et on arrive, on parle. Il y a un homme qui m'arrête, qui me dit, toi c'est... le fils de Chora. Après, je ne regarde pas, je dis, je vais décortiquer la parole, il dit alléluia. Amen. Et là, je ne regarde pas. Ouais, je ne regarde pas. Je dis, aujourd'hui, là, même si tu vas entendre au nom de Jésus, comme ça, devant Dieu, tu ne diras pas que tu ne l'as pas entendu. Amen. Après, il y en a un qui va crier parmi eux, hey, Dieu merci. Après, les autres, tu dis, pourquoi? Ah, eux là, si c'était pendant le séminaire. Après, il a dit, si c'était pendant le séminaire, j'allais tout casser. Bam, casser pour casser. À la fin du séminaire, je lève la main. Et je pose des questions. Il m'a dit, attends. Et puis on décortique. Je bénis Dieu. Non, il y a des sœurs et sœurs. À un moment ou l'autre, le pasteur, comme il n'arrivait pas à nous bloquer par rapport à la parole, il va prendre une sœur dans le coin. Qui est avec moi? Il prend une sœur dans le coin. Comment ça dire? Je vois que Dieu. Il veut prendre la main. Et la sœur lui dit, prophète, c'est la distraction, enlève ta main. Alléluia! Cette petite, elle a un boulot, mais c'est qui ces jeunes là? Il a fait qu'il arrive à m'adouiller. Il a dit, hé camarade, arrête ça. Aujourd'hui, c'est la parole. Et il était troublé. Après, il dit, bon, il me prend la main, il dit, je vais prier pour toi. Il dit, écoute, ma mère, si tu n'es pas toi-même, faut laisser, pardon. Et pam. Après il dit, il y en a un qui a craqué. Il a dit, moi j'aime la dîme. Et je mange la dîme pour moi. Wow. Je dis, ah Seigneur. Je dis, si même on t'avait enregistré. Que le peuple que tu as entendu voir ce que tu es en train de dire dans les coulisses. Après à la fin, on a dit en tout cas, nous on va aller prier. Comme on était samedi, pour les titiller un peu, je dis, bon, comme vous êtes tous pasteurs, demain on va aller dans quelle assemblée? Et après l'autre dit, pas chez moi, donc, pas chez moi, voilà, pas chez moi. Bon, après, le Stéphane Katenda, voilà, celui-là, là, il dit, mais pourquoi vous voulez pas qu'ils vont suivre? Ah, eux là, à la fin de la prédication, ils crient de lever la main et renverser toute la doctrine de la vie. C'est là que tu dis, ils savaient que c'était pas moi, alors. Ils sont. Là, nous, voilà, ils sont au courant de ce mais tant qu'il n'y aura pas des Jérémie, mais ils vont continuer. Alléluia. Amen. Jérémie n'a pas eu peur. On veut défendre les pauvres, mais il y en a qui souffrent dans nos assemblées, on ne parle même pas dehors. L'autre fois, on a parlé dehors, mais même dans les églises. Alléluia. Amen. Et ils s'enrichissent de plus en plus. Est-ce qu'on aurait été inactif? Mais Jérémie, il a dit non. Il va dire, écoute, roi, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? C'est toi qui opprimes. T'as oublié même comment ton père il a réagi? T'as oublié ce que ton père a fait pour les pauvres? Ok, en tant que mission d'un roi, c'est de venir en aide. Faire la justice. Être juste. Mais te voilà en train de dépouiller encore les enfants de Dieu. Pour t'enorgueillir, même pas. Il y en a qui vont dire que c'est pour la gloire de Dieu, c'est faux.
On a encore nos familles qui sont là-bas, frère, les gens, faites quoi? On fait quoi? On fait quoi? Je parle, ils ont les... on ne leur demande pas de se convertir ou de changer de truc. Mais au moins qu'ils entendent la parole, alléluia. Qu'ils entendent que ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique. Parce que notre maître a pris soin des pauvres. Regardez, Jérémie 12 encore, 17, il dit quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre responsabilité, frères et sœurs. De se lever, de parler. Verset 17. Mais s'il ne quitte pas, j'arracherai entièrement une telle nation et je la ferai périr, dit Yahweh. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, on doit annoncer les oracles de Dieu. Mais Dieu ne peut que passer par les personnes qui se soucient réellement de son œuvre. Oui, d'un côté, on emploie des structures pour aider matériellement ceux qui souffrent. Mais de l'autre côté, on doit lever notre voix. Pour que ceux qui sont dans les complications, ceux qui sont enfermés dans ces systèmes. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on met en place? Simplement de parler. Alléluia. Amen. Telle est notre responsabilité. Là, les rois, comme nous dit dans Apocalypse 1, aujourd'hui nous sommes des rois et des sacrificateurs. Là, c'était Joachim, mais aujourd'hui, c'est tous ceux qui se disent du Seigneur, qui ne font pas des choses qui honorent Dieu. Alléluia. Amen. Toute personne qui essaie encore de... Ceux qui sont déjà dans la... Qui, comme je vous disais, c'est toutes les personnes qui souffrent déjà. Donc on doit dire non. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, frères et sœurs? Donc, quelles sont tes compétences, tes capacités? On ne peut pas rester inactif, frères et sœurs. Oui? On peut prendre Proverbe 22, versets 22 et 23. Il dit quoi? Proverbe 22, versets 22 et 23, qui dit « Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte. Car Yahweh défendra leur cause et enlèvera l'âme de ceux qui les auront volés. » C'est quoi? 22. Notre Seigneur, même à la star de Jérémie, Jésus-Christ de Nazareth, le témoin, le modèle par excellence, il n'a pas laissé les choses comme ça. Il a soutenu l'opprimé. Qu'est-ce qu'il va dire? On va prendre Luc 2, à la naissance de Jésus. Jérémie l'a fait. Beaucoup, Ézéchiel l'a fait hier, on a dit. Même notre Seigneur l'a fait. Quelqu'un veut prendre Jérémie 2? Les louanges de... Luc 2, pardon. Les louanges de Marie. Qu'est-ce qu'elle dit? Luc 2, verset... À un moment ou l'autre, Marie, elle parle de qu'est-ce que le Seigneur fait par rapport aux pauvres. C'est Matthieu 1, 46. Ouais, dis, c'est lequel? Alors Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur. Combien 1, 46. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici. À 46 à 45, oui. Merci. Oui. Ouais, tu veux dire? Voici, certes, et désormais, toutes les générations m'appelleront béni, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend de génération en génération en faveur de ceux qui le craignent. Il a puissamment opéré par son bras, il a dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Il a renversé de dessus tout leur trône, les puissants, et il a élevé les petits. Il a rassasié de bien les affamés, et il a envoyé les riches à vide. Il a pris sous sa protection Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, selon qu'il en avait parlé à nos pères, à savoir à Abraham, et à sa postérité à jamais. Marie demeurera avec elle environ
demeura avec elle environ 3 mois, puis elle retourna dans sa maison. Vous avez vu comment notre Seigneur a pris soin de ceux qui étaient dans le besoin. Et Marie, elle va dire ses louanges parce qu'elle a vécu. Marie, elle va honorer, elle va lancer des louanges à Dieu parce que Dieu s'est souvenu des pauvres. Et même notre Seigneur, à un moment donné, l'a vécu comme des pauvres. La Bible me dit que dans Luc 9, prenons Luc 9, 56, si je ne me trompe pas. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. 58, ouais, 58. Mais Jésus leur répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Notre Seigneur s'est identifié à ces personnes. Dans s'identifiant à ces personnes, c'est qu'il savait ce qu'il ressentait. Et regardez, dans Luc 4, il va nous donner la mission du Seigneur. Quelle était la mission du Seigneur sur la terre des hommes? On va le prendre. Luc 4, verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le livre du prophète Esaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire ange le Seigneur, c'est tout ce qu'on avait vu par rapport à la mission, aux besoins dans le Tanakh que le Seigneur donnait par rapport aux pauvres, aux lois sociales. L'Esprit du Seigneur était là pour aller apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, on l'a dit, tout ce qui était. Qui avait un manque dans un domaine matériel, physique, financier. C'était ça l'Esprit que le Seigneur. C'était ça sa mission, frères et sœurs. Et que ça soit Jérémie qui l'a fait avec empressement, et que ça soit, le Seigneur lui-même. Et que ça soit les apôtres, frères et sœurs. Pour finir, Galates 2, verset 10, c'est une réponse pour nous, aujourd'hui. La mission que le Seigneur a donnée aux apôtres. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. À un moment donné, ils vont rentrer en mission, ils vont aller faire l'œuvre du Seigneur, et là on voit encore 2:10, et là encore on voit 2 parallèles, de 2 travails. L'apôtre Paul, son grand travail vraiment, c'était d'annoncer pleinement l'évangile, d'aller voir les gentils, mais en même temps, la Barnabas, son travail, c'était l'homme, on appelait ça celui qui encourage, celui qui travaille dans ce ministère de compassion, de la libéralité. C'est-à-dire qu'eux deux, ils ont fait un vrai travail. Ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas aller voir les païens, on ne pouvait pas aller voir les gentils, sans leur apporter de quoi à manger. C'est pour cela que Barnabas ne s'est pas empêché dès qu'il a rencontré le message. Il a tout donné qu'il avait. Il s'est reconnu dans ce ministère de compassion. Il a soutenu. Et même à un moment, il a disparu, mais il a soutenu les gens. Son Marc, comme on connaît déjà l'histoire, on a déjà dû développer sur Barnabas. Et Marc, il avait. Si, comment on appelle ça? Barnabas n'avait pas soutenu Marc, ben peut-être qu'on n'aurait pas eu le livre de Marc. Parce que c'est le même Marc qui a écrit ce livre après. Le travail dans le secret, celui qui est rejeté, celui qui a mal agi. Comment faire, frères et sœurs? Tel est notre travail. La Bible me dit que les apôtres l'ont fait avec empressement, gros. Ils n'ont pas reculé dans ce service. On ne peut pas tous faire la même chose. Mais si Dieu nous appelle dans cet appel, pourquoi nous retenir, frères et sœurs? Il y a des réels besoins, et chez les païens, et dans l'église. Des difficultés, et dans l'église, frères et sœurs. Des fois, ça me fait mal quand je vois, il y a même, de fois, même dans le travail qu'on peut mettre en place,
puis de voir ce manque de fait. J'ai dit, frères et sœurs, nous sommes dans un temps où les gens veulent voir. La France, avec tout ce qui se passe, ils veulent voir. Ils sont fatigués ils sont fatigués du blabla. Quels sont les actes qu'on peut poser qui peut glorifier Dieu? Comme on l'a dit hier sur 1 Pierre 2:12, pour que quand Dieu va les visiter, puisse dire, il y a eu Dieu quelque part. Alléluia. Amen. Quand aujourd'hui il y a toutes ces œuvres sociales que vous pouvez voir, on a parlé, il y a la CAF, ça peut être les hôpitaux, c'était les chrétiens qui avaient mis ça en place. Où est la place de l'église aujourd'hui dans le domaine du social? Zéro. On est tous fixés sur un autre objectif. On oublie qu'aussi ce domaine, Dieu regarde cela, c'est notre responsabilité. Alléluia. Amen. C'est en nous qu'il y a cet amour où tu donnes, tu ne veux pas recevoir en retour, parce que Dieu dit pas donner celui qui ne va pas te soutenir. Mais eux, quand le font, avec des ambitions politiques derrière. Eux, quand le font, avec des ambitions d'être connus derrière. Eux, quand le font, c'est pour redorer leur image derrière. Mais nous, quand on le fait, c'est pour simplement répondre à l'appel de notre maître. Amen. Nous, quand on le fait, c'est pour suivre Christ à sa suite. Alléluia. Combien veut s'engager? Combien comprend que c'est une lourde charge? Et on le sait que le mal, le monde ira toujours de pire en pire, de mal en mal. C'est l'occasion que Dieu nous donne de travailler, frères et sœurs. C'est l'occasion que Dieu nous donne. Personnellement, quand on a commencé les épiceries, je ne pensais pas qu'elle allait avoir cet engouement. Mais je me suis dit, Seigneur, mais ça soutient des familles. Qui même de ceux qui ne connaissent pas, soit disant d'autres qui ne prient pas notre Dieu, qui te dit je prie pour vous. Je dis, Je rappelle, on a commencé à développer des autres choses dans d'autres villes. Le Seigneur a permis par la grâce du Seigneur, on met en place par rapport aux églises. Maintenant on essaye un peu d'aller mettre en place des choses par rapport aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais quand je vois, je dis, mais alléluia! Lui dit alléluia. Oh, il y a Jésus! Non mais il n'aime pas! Non mais il y a Jésus qui arrive, je dis mais. Moi j'ai rien dit, lui comme vous l'osez. Ils ont dit, il a compris qu'il y a quelque chose dedans. Parce qu'ils vont savoir qu'est-ce qui motive telle personne à poser de tels actes. Et Dieu, c'est quoi il va manger tes pâtes là? Tu crois que je vais te donner des pâtes et moi tiens des pâtes, ça repart chez toi? Camarade, je vais poser mes mains. Oh non, pour les faits. Oh, c'est quand il mange, il comprend mieux. Il dort, il commence à rêver de Jésus, il ne comprend pas. Alléluia! Amen. On sait qu'on fait les choses pour faire des choses ou quoi? Mais c'est bizarre. Il naïf, ça, c'est vrai, ouais. Attends. Prends-moi les pattes. On voit quelque part. Parce qu'il y a des populations qu'on ne pourra pas voir parmi nous, frères et sœurs. Déjà, le Seigneur nous dit, on le fait, non pas pour attendre, faire des calculs, on le fait parce qu'on répond simplement à l'appel de notre Seigneur. Amen. Et Dieu fait le reste. Seigneur, touche ce que tu as envie de toucher. Apporte ce que tu as envie d'apporter. Mais une chose est sûre, s'il y a eu des Wesley, mais il y a encore des gens qui peuvent aimer Dieu dans ce domaine. Amen. Et on reconnaît un homme de Dieu, non pas de son vivant, c'est d'après sa mort. Non, c'est pour ça qu'on ne va pas se réjouir de ce qu'on voit, camarade. Il y a quoi? Non, il y a un peu ici, camarade. Laisse tomber, il n'y a rien. Dis, Seigneur, moi et toi, là. On n'est pas. Ça ne dépend pas d'une personne. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis peut-être même pire que vous parce que je renfle des fois la vie. Pour certains qui ne renflent pas. Vous voyez ce que je dis? Alors, frère, c'est simplement qu'est-ce qu'on attend du Seigneur? Qu'est-ce qu'on veut avec Jésus? Il revient bientôt. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce pays. Moi, je parle d'abord d'ici. Quand on voit après les autorités qui vous appellent, qui disent hey, « j'ai appris que t'es chrétien, est-ce que c'est compatible ?» Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est parce que c'est par rapport aux actes qu'on peut poser. Et il se pose des questions. Il dit « Mais si tu poses ces actes, t'as pas envie de devenir politicien ?» Tu vois, dans quel truc il commence à faire peur parce qu'il commence à avoir au moins 15 000 personnes qui le suient. Dans l'autre ville, ça peut faire des voix qui partent. Il dit quelque chose. Vous voyez ce que je dis? Et il va dans ses calculs. Après, il dit non, dormez tranquille. Moi, ça, c'est pas compatible avec mes valeurs. Mais c'est qui est sûr.
on peut faire un contre-pouvoir. C'est comme ça que les gens, ils ont pu faire changer les choses. C'est comme ça que les Luther King, ils ont pu faire changer les choses. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Non, ça c'est... Non, on ne vous dit pas de faire de la politique. Non, mais là, on vous dit de poser des verbes pour dire faire un changement. Et qu'ils voient réellement les chrétiens, ce n'est pas des gens qui font... On est au ciel, la Bible est... Oh, faut, je veux dire la vérité. La Bible nous dit dans Luc 2, Jésus est un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Là, Dieu me connaît, là, Dieu me voit. Camarade, arrête! Il te voit, les hommes aussi, là, te voient. Et quand il commence à te fixer vers toi, tu dis non, c'est pas moi, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas te fatiguer à venir prier, tu viens voir remplir les cahiers, finalement, il n'y a rien. Arrêtons. Je ne suis pas venu vous parler de ces choses-là. Je suis venu simplement vous faire comprendre que c'est possible. Et personnellement, c'est qu'on est en train de vivre avec Dieu. Ça me fait même peur. Je dis, Seigneur, où tu nous emmènes? Les choses qu'on ne peut pas dire parce que c'est filmé, mais... Tu es puissant. Amen. Tu nous l'emmènes à des endroits même nouveaux. Tu es. Moi, t'as même peur de me dire. Et je sais que c'est lui qui est le début, frère. Amen. On doit comprendre notre responsabilité pour que Dieu nous emmène loin. Amen. C'est comment tu vois Dieu, c'est comment Dieu va se servir de toi comme une flèche. Amen. Amen. Tu n'as pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. Il revient bientôt, il n'a pas de temps à perdre, frère. Il n'y a pas de temps à perdre. Moi, je dis toujours aux gens qui travaillent avec moi, si c'est pour me faire plaisir, arrête-toi là, c'est pas la peine, tu te blagues toi-même. Mais si tu vas aller loin, et que frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, depuis que je suis engagé, je n'ai jamais manqué de rien. Moi, je suis en train de vivre David. Il a dit, j'étais petit, j'ai grandi, j'ai jamais. Des fois, 2 ans, je ne travaillais pas, c'était dur. Ou des fois, 2, ferme un peu les portes pour voir qui tu es. Hey! Mais même il y avait des épiceries, j'en suis fier. Jamais, je dis au frère, il y a un frère qui me ramenait toujours des fois à manger. Oui, je dis, hey, frère, le Seigneur m'a interpellé, ne te prends pas. Non, je veux pas, pour pas que demain vous commencez à dire, il a créé des épiceries pour faire manger les choses chez lui. Gardez, je fais que mon Dieu, alléluia. Amen. Là aujourd'hui, ma femme me dit, ah, il y a un CDI, tout ça. Je dis, ah bon? Non, même pas. Je dis, non, moi je vais CDD. Je sais que Dieu me. Dieu là, les actes qu'on pose pour lui. Parce qu'on ne connaît pas Dieu, c'est peut-être là. On ne connaît pas Dieu. On va prier pour nous. Non, on ne connaît pas Dieu, frère. Sœur. Tu es censé avec Dieu et Dieu t'a abandonné. Quel est ce Dieu là? Nous là que vous voyez là, nous là. On vient de loin. Aujourd'hui, ils t'emmènent dans des trucs, tu comprends même pas. Je ne parle pas de le spirituel, merci Seigneur, mais je parle de là, là. Parce qu'il sait que c'est pour son œuvre. Des gens qui t'aiment. Non, frère. Soyons sincères avec Dieu, je vous en prie. Vous voulez travailler dans ce domaine, je vous assure que vous avez fait le bon choix. Amen. Dieu ne va jamais vous manquer. Amen. Jamais. Je vous parle même, on va parler terre à terre, rien qu'au travail. C'est moi qui fuis les travaux. Si je suis fatigué, il n'y a pas longtemps, j'avais quitté un CDI dans une ville. Je dis, oh, Dieu, je vais un peu m'occuper de toi. Et quand, il y a un temps, tu rentres en mission, quand c'est le moment, lui-même, Dieu, non, on ne connaît pas Dieu. Quand tu vois là qui pêche volontairement, il ne connaît pas Dieu. Quand tu vois qui joue avec lui, il ne connaît pas Dieu. Quand tu vois ça dans les concons, il ne connaît pas Dieu. Il a dit, il a fait, camarade, c'est quoi mon problème? Quand je me suis converti, tu étais là? Tu as vu, j'ai rien vu, j'ai vu Jésus, Seigneur. Amen. Et tant que Jésus ne me dit rien, je. Oh frère, il faut laisser. On ne connaît pas Dieu. Sinon, on serait vraiment engagé dans son œuvre. Comme le dit dans Proverbe 11, 25, l'arroseur sera arrosé. Qui arroses-tu? Pour qui es-tu engagé? Pourquoi fais-tu les choses? Moi, c'est simplement ça que je voulais en tout cas vous dire aujourd'hui. La responsabilité du chrétien. Si vous sentez cet appel, allez à fond au nom de Jésus. Amen. Allez à fond au nom de Jésus. Vos familles seront préservées. Votre couple sera préservé. Par la grâce. Oh, oh camarade. Oh, hey, on est dedans. On fait fort forcer. Dis, Seigneur, moi, je sais te faire. Si ça gâte là-bas, à toi de gérer. Moi, c'est toi. Amen. Et
tu gères les histoires de Dieu, Dieu. Quel est le démon de la pudicité à l'intérieur? Quoi? Non, fais attention. Ouais. Camarade, je sens qu'on a cru. Je m'occupe d'abord de lui, il s'occupera toujours de moi. Amen. Même si il n'a qu'à susciter qu'il a à susciter, on sait d'où on vient. Amen. Et on sait surtout où on veut aller. Amen. Notre responsabilité, c'est ça. Être réellement engagé pour Dieu. Parce que le monde nous regarde. Les païens regardent qu'est-ce que les chrétiens ils font. Dans un temps de crise généralisée, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Les supports que le Seigneur nous demande de mettre en place tout simplement pour évangéliser. Ouais, mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Il y a ça qui est mis en place. Ah ouais, mais comment vous avez fait? Tu gagnais combien? C'est Jésus. Rien, zéro gratuit de début à la fin, depuis 2010. Rien. 2002 jusqu'à aujourd'hui. Le Pâques, rien. Par la grâce du Seigneur, parce que je sais que mon Dieu me soutient autre part. Amen. Et il est fidèle. Amen. Moi, je vous encourage, frères et sœurs. Tous ceux qui veulent même être encore avec nous pour s'expérimenter ou être formés, bien sûr, ce qu'on demande comme CV, c'est la crainte de Dieu. C'est tout. Dans votre CV, bien marqué la crainte de Dieu. Merci pour nous le cacher. Merci Seigneur, ton esprit dévêle toujours. Amen. Après, le reste, c'est lui qui fait. Et je vous assure, il y a quelque chose qui arrive. Je me dis, Seigneur, à force que BFM passe des infos qui fatiguent les gens, pour que BFM aussi passe des infos qui encouragent les gens. Amen. Que non, mais il y a des chrétiens quelque part qui font des choses qu'on ne comprend pas. Amen. Quand l'autre fois, la Croix-Rouge est venue nous voir en nous disant, non, mais on ne comprend pas pourquoi vous allez voir les sans-abri. On dit, on va les voir pour apporter l'amour de Dieu. Non, mais concrètement, pourquoi vous allez les voir? Parce que voilà, vous dites, ouais, mais vous gagnez combien? Parce que eux, par sans-abri, ils gagnent 200 euros au niveau du Fonds social européen. Le FSE. Par personne, par mois, ou je ne sais même pas si c'est par mois ou par jour. Je pense que c'est par mois 200 euros qu'ils reçoivent de l'État. Nous, on reçoit 0 euros. Alors, à chaque fois qu'on soutient les sans-abri, ils font des calculs dans leur tête. Un sans-abri qui est réinséré, dit c'est un sans-abri au moins. C'est-à-dire qu'on pousse les gens à la cistana. Mais comme nous, notre Dieu nous dit que c'est la puissance de la résurrection. Il est quelqu'un qui est fatigué, tu pries à l'homme Jésus, il retrouve la vie. Pourquoi vous faites ça? Alors, ils ont commencé à mettre maintenant des pressions sans-abri. Ils disent sans-abri, si on vous voit sur le Facebook de la Voix des Sans-Voix, on vous enlève de notre truc. Vous croyez qu'ils font ça pour faire ces calculs? C'est vrai que j'ai vu ce qu'on a vendu la parole au Saint-Abri, et même dans son travail pour eux. C'est ça l'époque du moyen de travailler pour la parole. Vous voyez la souffrance, il ne suffit pas de donner à manger. On peut appeler. C'est formellement interdit. On ne parle pas de Dieu. Et vous connaissez comment ça a commencé la parole? Avec Henri Dunant, le fondateur, au début en Italie avec la guerre de Solferino. Il a mis, comment on appelle ça, il allait dans les camps de guerre et il soutenait les deux blessés, les deux camps. Il ne faisait pas de favoritisme. Il allait dans les terrains, il ramenait son truc, c'était le docteur tout seul. Tout seul, il soutenait les soldats, les blessés de guerre. Pa, 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 pa. Après, il partait. Et au fur et à mesure, plus en blanc, les gens qui l'ont rejoint dans cet engagement. Et aujourd'hui, effectivement, ça devient ça. Parce qu'on n'a pas gardé Jésus. Si Dieu permet, on parlera maintenant. Le Seigneur a dit, il y aura toujours les pauvres parmi vous. Dans notre engagement, Jésus doit toujours être au centre. Pour ne pas finir comme les autres. On est engagé, on veut faire les choses, mais il faut que Jésus soit toujours au centre. Comme Marie, elle a déversé. Et à un moment, l'autre Judas va dire, pourquoi ils ne vont pas donner cet argent aux pauvres? En fait, Judas ne disait pas ça parce qu'il aimait les pauvres. C'est parce que la cupidité avait atteint son cœur. L'œuvre du Seigneur, si on ne fait pas attention, c'est avec ça qu'on va être piégé. Ce n'est pas, on n'a pas le cœur réellement pour Dieu. C'est avec ça même qu'on va mourir. Il faut toujours laisser Dieu au centre. Amen. C'est cela qui va aller vendre Jésus à cause des pièges. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, je t'en prie. Je viens devant le contrôle, Seigneur, remettre ce peuple. Seigneur, tu vois leur engouement, tu vois leur détermination, Seigneur. Seigneur, je prie ceux qui sont de toi, Seigneur. Ceux qui veulent encore s'engager pour aller loin. Qui veulent être des flèches entre tes mains. Père, c'est possible au nom de Jésus. Seigneur, que mon règne les accompagne. Que la compassion divine te accompagne. Que la grâce te accompagne.
que ton manteau les accompagne. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Parce que c'est possible, Seigneur de gloire. Nous voulons te craindre. Nous voulons encore porter les âmes perdues vers toi. Car la Bible dit dans Luc 19, dit que tu es venu chercher sauver ce qui était perdu. Père, je t'en prie, beaucoup se posent des questions dans ce pays. Même si nous ne sommes rien, certains de nous, papa. Certains de nous, Seigneur. Je remets ce peuple entre tes mains. Tu connais leurs besoins. Simplement, tu es venu simplement, mon Dieu, partager ce que nous avons mis à cœur. Notre responsabilité, Seigneur, c'est de parler de toi à ceux qui sont perdus. Notre responsabilité, c'est de plaider pour les pauvres. Être une voix, mon Dieu, pour ceux qui ne parlent pas, pêche. Seigneur, ce n'est pas une chose facile comme Jérémie. Mais Seigneur, nous voulons être équipés comme Jérémie, Seigneur. Nous voulons être équipés comme toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, le travail se fera au nom de Jésus. Seigneur, nous répondrons à l'appel au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis afin que nous portions les fruits et que les fruits demeurent. Père, je te bénis pour les initiatives qui sont mises en place par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au travail que tu es en train de faire dans le cœur. Seigneur, c'est toi qui fais le travail, Père, au nom de Jésus. C'est toi qui produis en nous le vouloir le faire. C'est toi, Père, qui transforme les vies, Seigneur. Père. Père, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Nous voulons voir autre chose avec toi. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel, Père, au nom de Jésus. Nous voulons poser des actes, mon Dieu. Comme taché, Seigneur. Nous voulons poser des actes, mon Dieu, avec les richesses que tu nous donnes. Comme corneille, Seigneur. Nous voulons poser des actes avec les richesses que tu nous donnes. Père, comme Samita, nous voulons poser des actes pour toi, Seigneur. Oui, Jésus. Seigneur, nous voulons simplement te payer, Seigneur, dans l'appel que tu as préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Reçois toute la gloire. Parle dans nos cœurs. Donne-nous la force à répondre à l'appel à notre vie et à faire ton œuvre avec crainte et ton nom.
pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est possible, Seigneur. C'est possible d'accompagner ton évangile par les actes. Au nom de Jésus, comme le Père de la foi l'a fait, comme Vignet l'a fait, comme Seigneur de gloire, mon Dieu, changer les conditions de vie des personnes et apporter l'évangile pur. C'est possible, mon Dieu, comme William Bond l'a fait, Seigneur, c'est possible, mon Dieu. Comme tous les supers de la foi l'ont fait. Comme Seigneur le Frère André est porte ouverte l'a fait, Seigneur. C'est possible, je fais encore jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. C'est possible, Père, au nom de Jésus. Humblement, nous voulons te servir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu seul. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions, une ou deux questions. Alors, tout est clair. Et on va essayer de finir demain. Toujours par rapport, oui, comment faire la vie, Seigneur, et ne pas s'écarter. Amen. Amen. Voilà, on a compris que même en tant qu'être humain, on doit répondre à cet appel. Comme on l'a vu dans Genèse 1, et même surtout en tant que chrétien, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Que Dieu vous bénisse, entrez dans la paix du Seigneur. Amen. À demain au nom de Jésus. Amen.